il y a cette difficulté que nous avons pour la plupart. La vie qui est vécue n'est pas vécue pour de vrai. Elle est vécue parce que on doit le faire, parce que on doit y arriver, on doit réussir, on doit se mouler à tout un système qui est là. Et sans même plus y réfléchir, les enfants que l'on a, on les moule à ça. On leur dit, ben voilà, c'est comme ça, tu apprends bien, tu vas réussir et tu pourras t'en sortir. Et c'est quelque chose que, pour la plupart, on répète comme ça toute notre vie. Et les générations passent et nous avons toujours exactement la même forme de vie. Les modes de vie ne sont pas différents. Sauf que nous avons concocté un mieux-être qui nous donne un semblant de parcours différent. Mais tout ça, ça vient, ça reste toujours la même chose. Ça reste toujours un moulage avec ce que nous avons appris et que nous emmenons avec nous dans l'espoir que ça ira mieux. Mais en fait, on ne sort jamais de ce mouvement. Tu te demandes vraiment, c'est quoi ? Pour la plupart, on se demande c'est quoi vivre. Tu sais, toi, tu vois la vie. Tu sais comment tu la répètes tout le temps. Tu ne réfléchis plus. Tout se passe comme ça doit se passer. On est pris dans un enrôlement où tout se répète tout le temps de la même manière. On n'a pas le temps de voir qu'est-ce qui se joue vraiment. L'activité qui se joue, elle se joue presque automatiquement. C'est l'habitude, c'est les train-trains. Et tout un mouvement est fait pour que cette activité puisse continuer de la même manière. Et comme nous sommes enrôlés dans cette activité, pour pouvoir réussir, pour pouvoir arriver à trouver quelque chose qui va nous égayer. Alors, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de présence dans ce qui se passe. Ce qui se passe est devenu la forme même de ce que je suis. Et je crois même que je suis ça. Mais si tu réfléchis bien, tu n'es pas tout ça. Tu n'es pas cette activité. Cette activité, c'est ce qui se reproduit, c'est ce que tu as appris, qui est remémoré, réitéré, dans les mêmes conditions, toujours pareil. Et en fait, on s'aperçoit qu'on s'est identifié à tout ça. Mais tu ne sais plus vraiment qui tu es. Parce que ce que tu es, c'est justement celui qui peut voir ce mouvement se jouer. Parce que ce mouvement, c'est le mouvement du passé qui passe dans le présent et qui va vers le futur. C'est les activités du temps. Et si tu es enrôlé avec tout ça, alors tu vas t'identifier avec le temps. Et pour toi, demain sera très important. Alors que demain existe seulement parce que hier a été mémorisé et on veut le répéter. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec toute cette activité. Et il faudra bien, à un moment ou à un autre, que tu puisses te mettre à l'écart de tout ça, pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe, voir la supercherie qu'il y a, puisque tu crois être cela.
Et c'est une vraie supercherie parce que on l'a propagandisé depuis des millénaires. On nous a dit c'est ça la vie, il ne faut pas réfléchir. Il faut courir pour gagner ce qu'elle te propose. Tous les désirs que tu as, tu veux les accomplir, tu veux les gagner. Et en fait, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Tu vois seulement le but. Et en fait, quand tu arrives au but, il y a une déception. Parce que ce que tu rencontres, en fait, c'est ni plus ni moins le désir que tu as lancé. Donc tu te retrouves toujours insatisfait. Et ce mouvement se perpétue encore et encore, de génération en génération. Peut-être qu'il est question là de s'arrêter un peu sur le parcours de ton existence et laisser les choses se faire sans que tu n'agis dans tout ce qui se passe. Et avec cet état, tu peux voir en fait ce qui se passe. On ne voit rien parce que tout simplement on est tout le temps dans l'activité du faire. Comment ce sera demain? Et toutes ces appréhensions que l'on a, la peur de ne pas savoir, la peur de ne pas devenir. Donc, tout ça nous empêche de voir. Parce que le mouvement, il est constant et perpétuel. L'esprit n'est jamais libre de toute cette activité. Et il s'agit là de s'arrêter. Mais ce n'est pas quelque chose de facile pour la plupart d'entre nous. Parce que nous sommes habitués à courir pour pouvoir atteindre justement le but que nous avons été donné. On se donne d'atteindre, on se donne toute la faculté pour pouvoir atteindre le désir que l'on a, une promesse que l'on se fait. En fait, toutes ces promesses que l'on se fait, ce sont juste nos désirs d'une vie meilleure. Parce que nous sommes embourbés dans quelque chose qui se répète tout le temps de la même manière. Et en fait, on est malheureux parce que il n'y a rien de neuf. Tout se répète tout le temps de la même manière. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui saute à l'esprit. Il y a cette insatisfaction. Parce qu'au fond, il y a en soi une faculté de voir quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Et quand on voit ça, alors on pense que continuer à courir derrière les désirs que l'on a, la vie idéale qu'on se donne, est la seule chose qui nous reste à faire. Donc on est tout le temps subjugué par la vie que l'on aimerait atteindre. Et ça fait que tu n'es pas présent à ce qui se passe. Tout ce qui se passe, en fait, c'est une activité fébrile qui se joue tout le temps de la même manière et qui a fait en sorte que toute cette activité se matérialise dans le monde. Et le monde qui existe aujourd'hui, celui que l'on connaît, toi et moi, ressemble à toute la bataille que nous faisons pour pouvoir atteindre cet objectif, cette vie idéale que l'on se promet à soi-même. Tout ça parce que on ne veut pas s'arrêter pour voir
vraiment ce qui se passe. Parce qu'à partir du moment où tu t'arrêtes et que tu vois la réalité de ce qui se passe, que tu es en train de courir, en train de... effrénément, tu veux atteindre quelque chose qui n'existe pas, si tu vois ça, alors s'arrêter devient une aubaine. Parce que, en fait, tu commences à prendre conscience de qui tu es. Ce que tu es n'est pas ce que tu penses, en fait. Ce que tu es, c'est juste une répétition de ce que tu as vécu et que tu voudrais garder. Tu t'es attaché à tout ce que tu as acquis, tout ce que tu connais. Donc tu veux garder tout ça. Et tu as peur d'être autre chose. Parce que autre chose, ça veut dire que ce que tu es là disparaît. Il n'y a plus ça. Parce que ce que tu es, c'est justement une répétition de ce que tu as vécu. Et tu essayes d'exister à travers tout ça. C'est une apparence que tu te donnes. C'est un personnage qui joue un rôle. Et tu ne sais pas comment sortir de ça. Parce que tu es embourbé là-dedans. La peur t'en empêche. Parce que ça veut dire que ce que tu es n'existe pas. Et que tu vas devoir abandonner toute cette promesse que tu te donnes à toi-même. Tout ce que tu as pu hériter de tout ce que tu as fait pendant toute ton existence, il faudra que tu l'abandonnes parce que tout ça, c'est basé sur quelque chose de faux. Parce que tu as toujours été en train de courir pour atteindre quelque chose qui n'existait pas. Et en fait, tu ne t'es jamais aperçu que ce que tu faisais était une illusion. Mais c'est à force de voir tous les inconvénients qu'il y a à vivre cette vie, tous les problèmes que l'on a, la difficulté dans nos relations, la difficulté d'être joyeux, c'est ça qui fait que on pourra peut-être s'arrêter. C'est de prendre conscience de l'état fébrile, monotone dans lequel on est en train de vivre. Il n'y a pas de contact. Tout le monde se terre dans une petite bulle pour pouvoir accomplir son dessein. Et en fait, on s'isole du contact qu'on devrait avoir ensemble pour pouvoir être éveillé. Parce que le contact, c'est la lumière. Quand on fait contact, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se révèle là, mais de plus en plus on n'a pas de contact, puisque on est chacun dans sa bulle, à courir, sans même y réfléchir, et on se protège dans cette bulle pour ne pas subir l'éveil que tout ça c'est faux. Et pourtant, cette fausseté, nous la vivons depuis des milliers d'années, et nous le perpétuons maintenant à travers toutes les générations que nous avons. Ça fait que le monde n'a pas changé, parce que ce que tu es n'a pas changé. Ce que tu es, c'est un mouvement dans le temps qui perpétue le temps, et tout le monde fait la même chose, et personne ne s'arrête pour voir que c'est faux. Il y a une fausseté dans tout ça. Mais nous sommes tellement habitués à vivre comme ça que c'est devenu normal. Nous avons pris plaisir à se mentir à soi-même parce que, en fait, il y a des satisfactions qui sont immédiates dans ces mensonges qu'on se raconte à soi-même. Parce qu'on a le plaisir immédiat. On a seulement le plaisir, mais jamais la joie. La joie d'être. On ne la connaît pas. On ne connaît que l'égaiement instantané, éphémère, qui se produit dans l'activité de chercher, de courir après un peu de gaieté.
Et tout ça nous abêtit, ça nous leurre. Tu vois, la plupart, on est leurré. On est leurré par nos propres envies de se promettre à soi-même quelque chose qui va nous sortir de la situation dans laquelle on vit. Ça, c'est l'idéal que l'on a. Tu cours après cet idéal. Si tu peux voir que c'est comme ça, alors tu peux aussi comprendre que celui qui voit n'est pas ce qui se passe. Celui qui voit, c'est celui qui regarde toute la machine en train de se produire, toute la scène en train de se jouer. Et pour être celui-là, il faut que tu sois attentif, que tu t'arrêtes. Que tu t'arrêtes de courir et que, au bout d'un moment, tu ne fais plus rien pour vouloir atteindre un but quelconque. Parce que tu as compris que ce but que tu avais l'espoir d'atteindre est tout simplement une déception. Tu ne gagneras rien de cette manière. C'est quand tu cesses de vouloir gagner quelque chose que tout se place dans une position où la perception est différente. Il n'y a plus cette envie pour atteindre quelque chose. Parce que tu vois tout simplement toute la machine en route pour courir après l'éphémère. Et c'est ça qui fait que tu puisses commencer alors une toute autre façon de regarder la vie. Tu n'es plus celui qui veut atteindre. Tu n'as plus de dépendance. Alors tu es à ce moment-là, tu recouvres ton authenticité. Tu es face à une réalité sûre et certaine. Il n'y a plus rien qui est un leurre, puisque tout ce leurre, c'est justement le passé qui vient se proposer à toi dans le présent et qu'avec un peu d'espoir, tu poursuis ce qui est proposé à toi. Ce que tu te proposes aussi à toi-même. Ce que l'on te propose aussi. En fait, c'est toute une machine. La machine de la pensée, c'est infernal parce qu'elle ne s'arrêtera jamais. C'est le passé qui vient dans le présent et le présent le concocte et on l'envoie dans l'espoir. Et comme on disait, si tu vois ce mouvement, alors ce mouvement n'a plus de sens puisque tout ça c'est de l'éphémère. Alors qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que toi face à un monde d'illusions. Et alors, ce que tu es à ce moment-là, restitue l'ordre dans tout ce qui a été fait, qui a été incongru, qui a été fait pour la cause d'un but qui n'existait pas. Et le monde est comme ça aujourd'hui. Si nous ne faisons plus rien pour atteindre, alors il y a cette intelligence qui va faire en sorte que l'ordre s'installe de par lui-même, parce que c'est naturel. Le chaos que nous avons créé, c'est quelque chose qui a été créé parce que nous sommes dans l'illusion d'une vie qui n'existe pas. Donc on a dérangé l'ordre pour faire quelque chose qui nous soit agréable. Mais cependant, ce qui se passe quand nous faisons ça, on crée le chaos parce que ça n'existe pas. Vivre sans lendemain, sans espoir, sans que demain soit, sans que on donne à demain de l'importance, est la plus belle liberté que tu puisses avoir. La liberté d'être dans ce qu'il y a, mais pas dans ce que l'on invente, dans l'idéal vie que l'on se propose à soi-même.